Bonsoir à tous les amis et bienvenue sur ce nouveau live. Bienvenue à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Bonsoir à tous. Voilà, les gars, vous êtes beaucoup trop calmes. Hein. Moi, là, comme ça, je lance pas le live blabla. Hein. Vous êtes plus d'une vingtaine sur le chat, il y a 3 personnes qui parlent. On se réveille, les amis. On se réveille. Bonsoir à tous. Bonsoir, Slooks. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, Petit Baracus. Bonsoir, William. Bonsoir, Bouluga. Bonsoir, moi, Attila. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En ce 29 janvier 2024, on attaque une nouvelle semaine. Salut à toi, Music Creator. Yes, on se réveille. On se réveille parce que je peux vous le dire, les gars, que si on lance les lives, les streamings, blabla, il va falloir que vous soyez motivés. Hein. Bonsoir, Rodrigue. Eh bien, écoute, ça va plutôt bien. Et vous, les amis, comment allez-vous? Bonsoir, nombre d'heures, longue et chiante journée de travail à faire le piqué devant un centre commercial. Ah, coup dur Raptor. Coup dur. Bah justement, faut se réveiller là, on est ensemble et tout, on va passer un bon moment. Les lives c'est fait pour ça, les lives c'est un petit peu pour, on va dire, s'extirper de la vie lorsque l'on passe une journée de merde, etc. Et bah là, tous les soirs, on passe 3h30 ensemble où on se fait plaisir, etc. Où on se détend pour justement oublier tout ça. Moi, c'est le début de ma journée, je me réveille. Ah ouais ! Ah ouais, ça se réveille à 20h. Ah ouais, chaud, Petit Baracus. Moi qui me disais que j'étais sur un autre fuseau horaire, mais là, toi, tu me bats, toi. Tu l'as eu ton pull? Alors c'est pas un pull, c'est une veste. C'est une veste et c'est quand je bossais à Amazon, tout simplement. Je reviens juste de la friterie. J'ai vu ça, une petite frite tranquille là pour devant le live. Tu vas te mettre au top. Beaucoup mieux que la fin de l'année dernière. Ça va beaucoup mieux. Bah tant mieux. Ça fait plaisir de lire ça. On espère que, en tout cas moi j'espère que vous allez tous bien, les amis. Les lundis, c'est toujours délicat. C'est vrai, c'est le début de la semaine, on est là un petit peu en mode, mais c'est pas grave. Faut bien débuter la semaine pour la finir et être en week-end. Donc voilà, je suis venu me changer les idées. Et ben voilà, tu vas te changer les idées comme il se faut, Music Creator, et tu vas trop kiffer, tu vas revenir tous les soirs, et puis voilà. Petit avec Chris, ça va en faire ma journée. Ah, vous êtes adorables, vous êtes trop gentils. Voilà, et ça fait plaisir de voir que vous vous activez un petit peu. Ça fait plaisir, les amis. En tout cas, j'espère, mine de rien, que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Je vais faire en sorte... je vais me donner à fond pour vous faire passer 3 heures des plus agréables en compagnie de notre petite Ellie à Seattle, toujours à la traque des Wolves. Et puis, voilà. Et donc, mon Dieu. Mais bon, ça va, hein. Ça va. Petit début d'année tranquille. Petit début calme. Donc voilà, moi chaque lundi je re-questionne ma... Putain, ça fait beaucoup de questionnements au final. Hein. Ça fait 53 questionnements dans l'année. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Voilà. On enlève ton fond vert pour une fois. Là je le ferai plus tard. Hein, parce que là du coup il est configuré en mode fond vert. Donc ça veut dire que si je le fais, ça va être tout. Mais pour les lives blabla, il n'y aura pas le fond vert. Les lives blabla, je vais y réfléchir un petit peu. Faut que je trouve un nom. Un nom d'émission en gros, en live blabla. Il faut que je trouve un petit design sympa, etc. Que je réfléchisse à comment faire, et voilà. Donc, les lundis, mardis, je bosse toujours plus que le reste de la semaine. Ouais, mais c'est comme ça, t'attaques fort. Tu sais, vaut mieux ça. Comme ça, bah, t'as eu le week-end, t'es en forme. Et après, tu vois, comme ça, t'es pour la fin de semaine, c'est un peu plus chill, c'est un peu mieux, tu vois, quand t'es un peu plus fatigué. Parce que imagine s'attaquer doucement. Même si ça attaque doucement, tu travailles lundi, mardi, mercredi, et imagine que jeudi, vendredi, c'est la folie, et bah tu auras beaucoup moins d'énergie, ça va être pire. Moi, le vendredi, c'est ça permet de relations pour les... Ah bah oui, bah vendredi dernier, c'était vendredi dernier ou c'était... Non, jeudi non, c'était vendredi. Oui, c'était vendredi qu'on a fait MotorStorm. Ouais, c'était intense, hein. Entre lundi dernier, il y a eu vendredi d'avant en GTA-RP, lundi avant GTA-RP quand on est arrivé en retard, et vendredi, là vous m'avez alpagué sur 3 lives, donc voilà. Bon, si vraiment vous kiffez les lives blabla psy, on va faire ça, blabla mag, blabla mag, blabla mag.
Non mais on va voir. Si moi vous savez, comme je vous le dis, moi au final je suis un petit peu votre créateur de contenu. L'idée c'est de vous divertir, de vous faire passer un bon moment. Justement, lorsque vous passez des journées un petit peu merdiques, de pouvoir un petit peu vous changer les idées le temps de quelques heures en live. Donc s'il y a eu des vidéos dans la journée, ben, pendant les vidéos et là les lives. Et donc l'idée c'est aussi de faire des choses qui vous kiffent, tu vois, que vous kiffez. Donc moi j'avais jamais trop songé au live blabla parce que je me sentais pas trop, enfin j'avais pas trop d'idées etc. Mais si visiblement vous ça vous chauffe, eh ben on va faire en sorte de le mettre en place. Et puis voilà. Conseil de grand frère Mike. Conseil de boomer, conseil de vieux, ça y est. Salut Laven, bienvenue à toi. Mais ouais, carrément. Moi en tout cas, ça me ferait plaisir. Si vous vous kiffez, ben on va faire ça. En mode apéro. Il y a déjà l'apéro JV. Apéro blabla, non. Surtout qu'à mon avis, ce sera quand même le soir. Moi ma plage horaire et j'ai habitué je vous ai habitué à faire 20h-23h et je pense qu'on va garder ça. On va garder 20h-23h. Donc Je vais voir. J'avais pensé à Talk and Chill. Talk and Chill. Ça fait vraiment en mode tranquille. Ou blabla chill ou un truc comme ça. On va réfléchir. On va réfléchir comme ça, voilà. Mais l'idée, ce sera vraiment le concept, c'est que moi je lance le live. Là, voilà, pendant 5-10 minutes, c'est salut, vous allez bien, etc. Et après, moi je me mets comme ça, en mode allez-y, premier sujet. Et là, vous lancez votre premier sujet. Vous lancez le premier sujet, etc. Donc, va falloir commencer à noter vos idées. Et puis, on parlera de tout. Si vous voulez parler d'actualité, de JV, de pas de JV, le Joker de Miami. Tu penses quoi là, voilà. On parlera un petit peu de tout ça. Alors après, il y a peut-être des sujets que j'aurais pas envie de m'exprimer, etc. Mais voilà. Et il y a certains sujets où en trois phrases, ce sera terminé. Et genre, vraiment, je vous le dis, tous les sujets sociétal de notre société, etc., je m'en bats les couilles. Genre là, les agriculteurs, je vous l'ai dit un peu la dernière fois, hein, oui, moi je comprends totalement. Je peux totalement accepter, enfin j'accepte totalement et je soutiens le fond, mais c'est la forme que je trouve complètement débile. On en a encore parlé la dernière fois sur le fait de brouiller des pneus, par exemple, c'est écologiquement parlant, c'est catastrophique. Et puis pour les gens, etc. Voilà. Donc vraiment, tout ce qui va être société, je m'en bats tellement les couilles. Mais si vous parlez moi je suis plutôt philosophe, hein. Moi j'ai fait bac L, j'ai eu 17 au bac de philo. Moi j'aime bien les discussions ouvertes, les discussions tu penses quoi de la culture cinématographique du 20e siècle? Alors là, je bah c'est bien. Marc Aurèle. Non mais quand je dis philosophe, en fait voilà, vous savez, les discussions comme on a eu la dernière fois un petit peu sur justement je sais pas Ouais non mais me sortez pas les trucs comme ça, hein. Je travaille sur un scénario de jeu de table, de jeu vidéo, je ne sais pas encore. Un scénario, bah c'est cool ça. C'est trop cool ça. Plein de bonnes zones dans ce projet. J'espère que ça se mettra en place. Non mais après voilà, vous avez compris. Genre partez pas dans des trucs complètement fous. Il faudra des sujets, des thèmes. Des sujets et des thèmes en mode je sais pas moi. J'ai aucune... Oh, je les sens mal, c'est live blabla. J'ai encore ton histoire en tête, elle était vraiment incroyable. Et ouais, bah... Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Lancer un sujet où... Ouais, mais voilà, en fait, il n'y aura pas vraiment de sujet. C'est vraiment en mode... Ouais, voilà, ce sera la discussion. Donc forcément, en fait, il faudra trouver peut-être un sujet de départ. Et après, comme on a fait vendredi, en fait, de là, tu pars sur autre chose, tu pars sur autre chose. Et puis voilà, et on fait 3 heures de live. Après peut-être que des fois ça va durer qu'une heure et quart parce qu'on n'aura plus rien à dire. Des fois ça durera 5 heures. Voilà, après c'est des discussions. C'est juste que là, faudra compter sur vous pour que d'un côté, voilà, je peux pas parler tout seul non plus. À la base on parlait... Mais c'est vrai en plus. À la base j'avais gagné la sœur de Bouluga parce que j'ai fait une course parfaite sur Motorstorm. Mon dieu, mais quel... voilà, ce sera l'origine de l'émission.
Comment t'es venu l'idée de créer l'émission Blabla and Chill ou je sais pas quoi? Bah, parce que j'ai gagné la sueur d'un abonné en faisant une course parfaite sur MotorStorm. Waouh! Alors là, déjà rien que ça. Rien que ça, on est dans une histoire incroyable. Décris ton propre GTA. Voilà, ça pourrait être cool. Décris ton propre GTA. On peut parler d'actualité de jeux vidéo, ce qui se passe, puisque moi j'ai pas vraiment mon émission. Mon émission, comment ça s'appelle? Oh, ça pourrait être bien ça. On pourrait faire une émission blabla où on parle de l'actualité du jeu vidéo tout en restant chill et blabla à parler un peu de tout. C'est-à-dire que là, bah, dès qu'il se passe des trucs, par exemple en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se font virer dans l'industrie, etc. Bah, vous me soumettez les différents, comment ça s'appelle, les différents minces sujets que vous avez vus, etc. Puis on en parle, et dans ce cas, à côté de ça, on peut également parler de tout et de rien. C'est vraiment un mode chill, et on fait ce qu'on veut. En mode, on parle de tout. Je pense que ça pourrait être bien. Je pense qu'à mon avis, de toute façon, ça va être une émission qu'on va un peu potasser, c'est-à-dire qu'on va la lancer, mais elle va beaucoup évoluer. Parce que là, moi, honnêtement, j'ai aucune idée. Ouais, on va parler, mais il y a peut-être des soirs où on n'aura rien à dire. Donc, on va voir. Déjà, il va falloir que je réfléchisse vraiment, comme je vous l'ai dit, à un design d'émission. Voilà, tout ça. Je crois que vous commencez à me connaître. Vous savez que je suis un petit peu perfectionniste. Je vais pas lancer ça à la va-vite, donc j'ai envie de créer un petit peu un thème. Enfin, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Ça pourrait être sympa. On va voir. J'ai juste une caméra de merde, donc du coup, quand je suis pas en fond vert, c'est pas top. Je te regarde en arrière-temps, je dois bosser. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, Music Creator. Comme tu veux, tranquille. Voilà, on va y réfléchir, mais en tout cas, c'est vrai que moi aussi, ça me chauffe pas mal. Et il est vrai que ça pourrait être assez sympa. Sur cela, les amis, comme à chaque fois, on check un petit œil sur le planning qui a déjà changé. Je vous ai balancé un planning, je vous ai balancé un planning pas plus tard que ce matin, qui est celui-ci. Il a déjà changé puisque mercredi, eh ben on nous a appris qu'il va y avoir, bon appétit Pierrot, qu'il va y avoir un State of Play PlayStation de 40 minutes à 23h. Du coup, ce soir, The Last of Us partie 2 Remastered. Demain, on continue GTA RP. Je vous l'ai annoncé la semaine dernière. À partir de cette semaine, on alterne. Il y a une semaine, on fait deux live RP. Une semaine, on en a fait trois. Sinon, en fait, je fais trop de RP. Comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai pas envie de devenir un streamer RP. J'ai pas envie que ce soit le principal sur ma chaîne. Et là, actuellement, bah, c'était plus de la moitié. Sachant que je stream 5 soirs par semaine, il y a 4-5 semaines dans le mois, ça fait 20-25 streams. Sur 20-25 streams, il y avait quasiment plus de 15 streams RP. Et c'est vrai que bah, pour ceux qui n'aiment pas le RP, etc., c'est un petit peu compliqué. J'aimerais aussi beaucoup revenir à ce qu'on faisait avant, 3 jeux différents dans la semaine. Là, jusqu'à maintenant, bah avec le RP, ça me forçait à en faire que deux jeux, etc. Donc, voilà, on va alterner un petit peu, voire faire tout le temps deux RP par semaine. On va voir. On va voir vraiment comment ça va évoluer. Là, je vais tester une semaine, deux streams, une semaine, trois streams. Ça nous ferait 3, 6, 10 streams par mois. Donc ça ferait un tiers, donc là ce serait plutôt pas mal. 10 entre 10 et 10 et 12, 13 streams par mois. Donc voilà, je vais voir comment ça se passe. Et si vraiment je trouve que c'est. Cela du coup, là, Marine Claire, on est bloqué avec The Last of Us partie 2 et GTA RP. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'être en équilibre pour que ça plaise à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui adorent le RP, je sais qu'il y en a qui ont un peu de mal. Donc voilà, je vais essayer de trouver. Bah oui, mais non, non, j'ai dit 2 jours de RP. Eh ben, mardi et vendredi. J'ai pas dit deux streams dans la semaine, j'ai dit deux streams RP. Et donc, du coup, lundi, mercredi, jeudi, ça va être du The Last of Us partie 2. On va essayer quand même bien l'avancer, voire le terminer. Je pense qu'il y a moyen qu'on le termine. Comme ça, à partir de la semaine du 5 février, on passera déjà sur à nouveau 3 jeux.
On fera. On verra ce qu'on fera, mais je pense qu'on fera 3 jeux. Et donc mercredi, on fera 20h, 22h The Last of Us. Et 22h15 jusqu'à minuit, minuit 15, le State of Play. En mode apéro, j'y vais. Donc voilà. Est-ce que ce programme et est-ce que la suite des événements vous convient, les amis? Alors rien à voir, mais tu penses quoi d'enlever la TH sur les jeux d'aventure pour être plus immersif? Bah oui, c'est la vérité. Après, c'est propre à chacun. C'est trop bien quand dans les jeux on nous propose de ce choix-là. Mais oui. Tu penses continuer à ça? Oui, bah il faut. Oui, il faut continuer GTA 5 solo. C'est vrai en plus. Faut continuer GTA 5 solo. J'ai envie de faire BioShock 2. J'ai envie de découvrir Outer Wilds. Bientôt, il y a Vanisher qui arrive. Il y a Tomb Raider Remaster qui arrive. Ça va être compliqué. Hein. On va pas s'ennuyer. Hein. On va pas s'ennuyer. Je vais découvrir des jeux avec vous. Vous allez découvrir des jeux. Je vais refaire d'anciens jeux. J'ai envie de faire Burnout 3. J'ai envie de faire un Fallout. Parce que Fallout, mine de rien, c'est une de mes licences préférées. J'ai toujours pas fait en stream. Faut que je fasse tous les lancements. J'ai envie de refaire Elle est Noire. Bref, on va pas s'ennuyer, les amis. Croyez-moi. Mais en tout cas, ce soir, on enchaîne direction Seattle. Ouais, Fallout 4, mais bon, c'est pas le meilleur, hein. Fallout 4, moi j'avais vraiment envie, très envie de faire un petit Fallout New Vegas. Hein. Un New Vegas où commencer par Fallout 3, New Vegas et Fallout 4. Et pourquoi pas après enchaîner Fallout 76 que je n'ai jamais fait. Mais en version solo. Hein. Faire le jeu en solo, pas en multi. Je suis pas trop Hitman. Du coup, à voir. On en discutera hein, pour faire des jeux ensemble. Des fois, je vous proposerai plusieurs jeux, etc. Mais il faut que ce soit des jeux qui me bottent avant tout. Parce que sinon, ça fait comme The Witcher. Si je me force, hein, The Witcher, ça a duré 3 streams et après. Moi, je pense que vous commencez à me connaître et vous savez que je peux pas me forcer. Moi, je peux pas faire semblant. Du coup, moi, c'est un truc que j'accroche pas, etc. Alors, avec le temps, j'accroche de plus en plus à de plus en plus de jeux. J'ai très envie de faire aussi, je vais vous le dire, Pokémon Or. J'ai très envie de faire Pokémon Or, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Pokémon Or, le remake qu'il y avait eu sur 3DS, le Earth Gold, j'ai très envie. On avait commencé Soul Calibur 3, j'aimerais bien continuer Soul Calibur 3 aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. On va streamer de plus en plus, je pense, parce que j'ai plein de jeux que j'ai envie de refaire avec vous, etc. Donc voilà. Sur cela, rappelez-vous, on en était au deuxième jour de Seattle, donc avec Ellie qui est à la recherche des Wolves. Et donc, on a visité le quartier de Hillcrest, qui a été très compliqué, qui m'a fait un petit peu rager. Et donc, Jesse nous a rejoint. Jesse est en train de se faire pouponner par Dina. Dina qui est enceinte et qui doit rester donc du coup qui doit rester au théâtre notre planque. Et donc on a appris que Nora, une des membres des Wolves qui était dans le groupe qui a tué Joël, se trouve à l'hôpital. Et donc avec Ellie, on part directement à l'hôpital. Et pourquoi j'ai pas de son? Vous avez du son vous? Vous avez du son ou il n'y a que moi qui ai pas de son? J'ai pas de son. Vous avez du son? Ok, donc c'est pas moi, c'est moi qui ai pas de son. Pourquoi j'ai pas de son? Eh oui, j'ai joué avec, je jouais avec le volume, c'est peut-être pour ça. Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Allez, c'est parti. Donc du coup, on rappelle, il faut qu'on aille tout là-bas. Vous le voyez, hein? Voilà, la petite croix rouge là, faut qu'on aille tout là-bas. J'en suis où au niveau des munitions là? Pas la folie quand même, hein. Pas la folie. Ok, on n'a pas de. Est-ce que là je peux. Pas la folie furieuse hein, quand même. Hein. Là on est full ici. Là faudrait faire un cocktail molotov.
Ok, bon. Et donc bien sûr je rappelle dans le chat, hein, il y en a certains, notamment Maxime et Bouluga, qui n'ont jamais fait, qui connaissent pas The Last of Us Partie 2. Donc bien entendu, pas de spoil pour ne pas gâcher bien entendu l'histoire. Et je suis con ou quoi? Pourquoi je suis déjà perdu en mode. Ah merde, je me rappelle absolument plus du tout où faut aller. Je suis con ou quoi? Et petit baracus aussi, donc pas de spoil, pas de spoil. Qui passe ça là? Pourquoi je... J'ai loupé un truc ou quoi? Donc là on est arrivé par là. Ok. Tac. Qu'est-ce que... C'est pas que je suis devenu sourd, c'est que je suis devenu Alzheimer, je suis con ou quoi? Et merci Jesse pour le follow. Ah oui, faut aller en bas, mais je me doute bien, mais je sais plus du tout comment on fait pour aller en bas. Et bienvenue à toi Deadpool. Ah mais c'est là tout simplement en fait. Bah non. Visiblement c'est pas ça. Bah merde, qu'est-ce que... Est-ce que j'ai... Ah! D'accord, putain, ouais, d'accord. Mais j'avais complètement zappé ce. Ok, bah merci. Merci Deadpool. Ok, bon. Ça, le let's play commence tellement bien. Ça va, hein, j'ai refait le jeu il y a juste 3 semaines, quoi. Donc ça va. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Cool. Voilà. Ah bah nickel, on aura même pas à faire un cocktail Molotov. Tac. La petite carte, voilà, ça fait plaisir. J'aime quand on tombe sur ces petites planques comme ça là avec autant de loot. Par contre, y a pas des petites pilules. Pas des petites pilules. Il nous restait combien pour avoir des pilules là? On a dit que la prochaine qu'on voulait prendre. Attends. Là on est d'accord, on a tout. Ouais c'est ça. Donc c'est 40. Donc il nous en manque 12. Il nous manque 12 pilules. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On les revoit. Ah bah tu vas voir Bouluga. Tu vas voir.
Ah putain, ce passage. Oh, ça pue là-dedans. C'est toi qui pue, Ellie. On va prendre le pompe. Ça, oh. Ça peut être utile. Putain de Wolf, tu l'as bien cherché. Okay, y a aucune pitié. Hein. Y a aucune pitié. Hop, là, on est bon. Je regardais le chat, mauvaise idée. Putain. Ah, si tu parles à la manette qui. La lampe torche qui bug au mauvais moment. Non, oh, super. Les rôdeurs, je pense que c'est parmi les infectés que je déteste le plus. Merde. Comment je retourne dehors ? Puisque ces bâtards se cachent. Les copains sont là. Ah, il y en a encore ? Ils font pas de bruit, ces connards. Ah oui, et ceux-là, tu peux même pas les détecter comme ça en fait. C'est vraiment de la grosse merde, ces races-là. Salut Alex Kawaii, bienvenue. Salut Chris, ça va? Je suis ton excellent travail sur ta chaîne YouTube. Comme toi, je suis très grand fan de Last of Us. Je recommande que tu manges Last of Us comme toi. Eh ben écoute, merci à toi Jesse et bienvenue. Bienvenue pour, bah, pour ton premier stream. Pour ton premier stream, bienvenue à toi. On va tout fouiller cela, on va avoir besoin de ressources. Je l'entends l'autre là-bas mais je sais pas où il est en fait. Je sais qu'il est dans la salle d'à côté mais est-ce qu'il peut venir Y a pas beaucoup de ressources quand même. Hein. Un peu la dèche. Hein.
Ah bah nickel, ça c'est les bonnes configurations, Alex. Putain, mais y'a rien du tout, sans déconner. La musique bien angoissante là. Vélo lui, je t'ai vu, bâtard. Putain, oh le con, comment il m'a fait flipper. Oh alors ça, j'étais pas prêt. Ouah, ça j'étais pas prêt du tout. Wouah! Eh, sans déconner, ça je m'y attendais, mais vraiment pas! Le coucou! Coucou, en fait on est deux! Mais en fait, ils sont combien en fait? Putain, mais ils sont combien en fait? Fais voir ta tête. Bah, tu m'étonnes, ça devait être un petit peu en mode. Ah non, parce que là, honnêtement, celui-là, il m'a vraiment. Et Ellie, elle a du courage, hein, parce que là, je te le dis, moi, j'ai déjà fait. C'est bon, il y en a encore là. Rien qui traîne, sa mère. Hey Reda! Bonsoir! Oh là là, y'a rien qui traîne! En fait, c'est une zone qui n'est pas faite pour fouiller en fait. C'est juste en mode fuir. Je vais fixer un silencieux. Voilà. Ah mais il était déjà fait silencieux. Je vais peut-être faire un kit médical. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On est un petit peu plein partout après. Hein. On est un petit peu plein partout. J'entends plus des gars couiner, donc je pense que c'est fini. Oui, alors ça on va prendre. Ça on va prendre. Là-bas on a fait. Là. Oui, là on l'a fait, c'est la mail room. Je crois que ça y est, j'ai fouillé par. Ah, quoique. Faut que je retourne là s'il y avait une munition de carabine. Là, voilà. Et comme j'ai pris une balle. Enfin, que j'ai tiré une balle, ça ira très bien. Bon, voilà, donc je pense que maintenant on peut se barrer. Et pour se barrer, si je me souviens bien, c'est par ici. Hop là. Eh ben on y est presque. Vache. Ok. Faut que je rejoigne la rue. Ouais bon. C'est pas les meilleures parties du jeu là, mais je vous le dis moi.
Salope, je t'ai vu. Sauf que lui, s'il vient. J'ai entendu un courir après là. Il y en a un qui est derrière moi. On va prendre le pompe. Ok, on en a terminé, on va pouvoir fouiller tranquillement. Il y aura moyen de sortir d'ici. On va pouvoir fouiller tranquillement. Tac. Là, tout ça ici, on a fait. Là, on va reprendre la munition, ça sera pas trop. Hop. Salut Floz ! Là, on est bon. Là, on va aller ici. Il va y avoir des trucs à récupérer ici là. Voilà, ça on aime bien ça. Ça on aime bien. Ça on prend aussi la petite barre chocolatée là qui fait plaisir. On ira dans la pièce. Ah, petite munition de fusil à pompe, ça fait plaisir aussi. Par contre, une par une, on va pas aller très loin. Ok, donc on va sortir par là. Avant, on va aller fouiller dans la pièce d'à côté. Mais il me semble qu'on est déjà passé par là. Hein. Au vu de tout ça. Oui, on a déjà fait. On peut y aller. Ouais, le feu c'est efficace. Et c'est là que débute le Lost Levan numéro 2. Il y a un niveau coupé qui était à ce moment-là dans le... Logiquement, c'est pas ici qu'on arrive. Logiquement, on arrive beaucoup plus loin. Je déteste Seattle. Et le Lost Level se termine ici en fait.
J'ai hâte de sortir de ce trou. Voilà, ça fait plaisir, on prend. Ok. Vous êtes ici. Et l'hôpital est là. Je vais traverser le parc. Salaud. Tu m'en rappelais plus, je pensais que ça arrivait un peu plus tard. Ça fait deux fois que je me fais surprendre, ça commence à faire beaucoup. Hein. J'avais pas vu qu'elle était derrière. J'avais pas vu qu'elle était derrière. Merde. Ah ouais, mais ils sont tous là. J'avais pas vu l'autre avec son. Putain. Avec son arc. Et merci mon The Life King pour le follow. Septième mois d'abonnement pour mon The Life King, merci à toi. Faut que j'aille là-bas, là il y a de l'eau. Oh non, je suis plein.
Des ah non, c'est une hache, putain, je croyais que c'était des munitions. Eh merde, je suis passé du mauvais côté. J'ai que des munitions de carabine. J'ai que des munitions de carabine, je suis à fond avec la carabine là, donnez-moi autre chose. Chez ces pigeons. Hein. Je peux rien améliorer là. Je suis full partout, fais chier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pilule là. Y'a pas des pilules? Ah, ça on prend. Ok. On commence à en avoir un petit peu là, ça y est, on commence à faire le plein de munitions et tout. Voilà, une de plus, on prend. Là, ça, j'avais pas vu. Voilà, on prend. Et là. Ah, je peux toujours pas faire de cocktail Molotov, sa mère. Ça y est, maintenant je vais être plein avec ce fusil là. En fait, j'ai que des munitions de pistolet où je suis full. Ah, ça y est. Le petit cocktail. Ah merde, mais j'ai que deux trousses de soins. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Ah, voilà, des petites pilules. Ah, il y a beaucoup de pilules là. Direct, non. Putain, j'ai eu peur. Voilà, plus 50% de soins, ça fera pas de mal ça. Prochain truc qu'on achète, c'est quoi? Ah mais j'ai ça maintenant. Améliorer la stabilité, la précision. Ça c'est tout bon, ça c'est tout bon. Ça... ouais, bon, bof. Ça bof. Le jeu des attaques mortelles vous laisse une santé minimum. Ah ça, ça peut être pas mal aussi. Ça, ça peut être pas mal aussi. On peut faire ça, vas-y. On va faire ça, c'est gratuit. Voilà. Comme ça, tac. Et là, il y a des entrées de journal, voilà. Parce que là, j'ai la phobie des notifications. Et du fait qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas vu, ça me stressait. Bon, voilà, on commence à être pas mal. Du coup, là, je peux prendre ça.
pas des trucs qui traînent là encore, non. Ok. Là aussi, il n'y a pas de linge. Ah, si, voilà. Voilà, il me semble bien que j'ai vu des trucs là. Voilà. Là, je peux peut-être retourner ici, parce que là, il y a peut-être des trucs. Comme j'ai confectionné. Voilà. Ça mange pas de pain. Chercher les vagabonds. Puissent-elles nous guider? Barre-toi. Tu es au courant pour les livres. Une vagabonde! Tuez la Wolf! Putain! Forcément! Comment je les ai fumés ? Mon pote. Ok. Bon. Salut Private Eyes, comment ça va? Ah putain, oui, c'est ce passage. Un peu, c'est un peu la misère ce passage. Ouh. On va essayer de tous les dégommer un par un. On va laisser.
Ouais, les scars, je pense qu'on n'est pas beaucoup à les apprécier. Hein. Hop là, voilà. On bouffe, ça nous fera du bien. Attends. Non, c'est le mec pendu là. Ah, y a des mecs pendus partout. Hein. Ça siffle dans tous les coins, tu sais même pas d'où ça vient, d'où ça part. What, toi, comment ça? Oh le bâtard. On va retourner par ici. Quoi là? Visiblement, on a fait preuve de négligence. Ils sont là, quelque part. On va les libérer.
Salut Enemy Witch. Bon, en vrai ce soir je me concentre un peu plus et je suis un peu plus en forme quand même hein. Puisse-t-elle me protéger ? Je vais te prothéser quelque chose, moi, tu vas voir. Je crois que c'est fini. Je hais cette ville. Bon, il est où ce putain d'hôpital ? Oh, coucou Sam! Bienvenue! Bienvenue sur le live! S'il a fait mal avant de mourir. Grave! Ouais, des fois, il y a des trucs où tu les sens en fait, ils sont vraiment en train d'agoniser. Hop, bon. Là, c'est parti, on va se faire casser la gueule. Voilà. C'est la boue dans Fort Boyard. Il est pas content parce que Fort Boyard s'est fermé du coup. Mais en fait la carabine elle est hyper efficace en fait. Je pensais pas que ça one-shotait Putain de merde. Bon. L'hôpital. A chaque fois je prenais le fusil à pompe, mais la carabine, si tu vises bien, ça one-shot aussi en fait. Première fois sur ta chaîne, je déteste Ellie Vivabi. Alors écoute, pour une première fois sur la chaîne, autant te dire que ça commence très mal. Mais attention par contre, faut pas trop parler, parce qu'en fait il y en a sur le stream qui n'ont pas découvert, le jeu. C'est une totale découverte pour eux, donc on n'en parle pas trop. Tu kifferais Los Angeles au lieu de Seattle? Mon petit The Last of Us à Los Angeles, c'est Dead Island on va dire. Dead Island 2, qui pour moi a été un de mes petits coups de cœur de l'année dernière. Maintenant, techniquement, le multijoueur devait se dérouler à San Francisco. Donc c'est vrai que j'aurais vraiment kiffé San Francisco, de voir le Golden Gate en partie détruit, etc. Mais je pense que j'aime tellement la licence que n'importe où dans le monde, voilà quoi, je serai in love. Du coup ça stream pas ce soir Sam? On n'est pas sur Elden Ring ce soir? Alors. «
Ma ville préférée aux États-Unis pour le moment c'est Los Angeles. J'ai pas encore eu l'occasion de faire Miami du coup. Mais parmi j'ai fait Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, New York, Moab, c'est quoi que j'avais fait également, merde comment ça s'appelle, ah je me rappelle plus, près de Salt Lake City, ah je me rappelle plus du tout. J'ai fait une dizaine de villes américaines. Pour moi, c'est Los Angeles, c'est un peu mon... Non, Détroit et Washington, j'ai pas encore fait. Moi, New York, ça m'a un poil déçu quand même. Ça m'a un poil déçu parce que... sorti de Manhattan, et encore, sorti du trois quarts de Manhattan, du centre et du sud de Manhattan, tout le reste, c'est carrément délaissé et abandonné. Et du coup, tu as essayé quoi ? Parce que... Attends, je peux pas me concentrer avec le chat et parler avec toi. Hein. Ok, on peut aller tout en haut. Et je suis allé deux fois, bof, à part les plages et les studios, c'est pas ouf. Ah non, moi j'aime trop aller à Mulholland Drive, Santa Monica, Beverly Hills, Malibu, Sunset Boulevard, c'est trop bien, l'Observatoire Griffith. Tu vas te balader, tu pars une journée entière, tu pars le matin, tu vas te balader du côté de l'observatoire, c'est énorme, il y a tellement de parcs, etc. Ah non, moi Los Angeles, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, j'en ai parlé dans Welcome to Liberty City. C'est Welcome to Liberty City représente clairement, on le voit. Il y a Manhattan et à côté... Non, jamais fait Boston. Boston, Seattle, Jackson, Salt Lake City, c'est prévu. Hein. Bah, de toute façon, on en a parlé dans le making of de Welcome to Liberty City, mais c'est prévu qu'on fasse un genre de Welcome to, mais dans les lieux de The Last of Us. Hein. T'as intérêt à être là, Nora. Bah, Miami, j'appréhende beaucoup parce qu'on m'a toujours dit que Miami c'était bidon. Que t'avais la fameuse allée d'Ocean Drive. Et qu'à côté c'était beaucoup de bidonvilles, que ça craignait pas mal. Mais j'ai quand même commencé à me renseigner pour Welcome to Vice City, vous vous doutez bien. Et là d'après les derniers échos que j'ai eu, c'est qu'apparemment ces dernières années il y a beaucoup de quartiers populaires qui se sont on va dire qu'ils ont été nettoyés, avec moins de délinquance etc, beaucoup plus de petits quartiers. Mais après je connais pas assez pour... Je pense que j'ai loupé un truc là. Je pense que j'ai loupé un truc parce que... Là... Ça... C'est clairement un truc où on peut aller. Je crois. J'ai vu des trucs briller, j'ai vu des ressources. Là, si je vais là, je crois que je suis pas bête, hein, mais j'ai vu des ressources. Eh oui, là-bas. Alors attends, par où on peut aller ? Comment je fais pour aller là-bas, moi ? Là ? Ah bah oui, tout simplement, en fait. Tout simplement, parce que Ellie, c'est une jeune femme et elle s'est sautée. Donc c'est tout simplement ça. Et y'a que ça ? Quoi, j'ai fait ce saut hyper risqué, j'ai fait demi-tour etc. Pour un bidon d'huile ? Oh la défaite. New York c'est soit Manhattan soit le territoire des... C'est un peu ça ouais. Oh la défaite là, on a perdu du temps pour rien là. Ouais, Miami c'est effectivement c'est les conservateurs. Hein. Les conservateurs là, la tombe, tu tombes de haut quand même quand tu vas sur... Ah non mais Hollywood Boulevard c'est les Champs-Elysées aux États-Unis quoi. Hollywood Boulevard, il n'y a rien de plus pourri. C'est pour ça que je disais, Hollywood Boulevard, tu vas juste à côté, à Sunset Boulevard.
Sunset Boulevard, c'est l'avenue parallèle à Hollywood, et c'est 10 fois mieux. C'est 10 fois mieux. Mais oui, moi la première fois que je suis allé, et encore, je sais pas la dernière fois que tu y allais, Alex, c'est quand. Mais là aujourd'hui, c'est pire. Hein. Moi la dernière fois que je suis allé, c'est en 2019. C'est vraiment des bidonvilles quoi. Et salut Moussouk, ça va et toi? Il va y avoir de la ressource là. Il va y avoir de la ressource. Je vous fais le code, c'est 38 55 23. Retenez sur le chat, hein. 38. Non, attends, c'est quoi déjà? 38 55 23. 38 55 23. La langue officielle espagnole à Miami. J'ai mes quelques doutes. Il doit y avoir pas mal d'hispaniques parce qu'il n'y a pas très loin, il y a Cuba, il y a la République Dominicaine, etc. De là à dire que c'est la langue officielle, je doute un petit peu. Hop, donc on a dit quoi? On a dit 38, 55, 23. Oh bah c'est sympa ce qu'il y a là. Ah, on est plein. Là aussi on est plein. Oh merde. Du coup. Alors vitesse de déplacement. Augmente nettement la vitesse de déplacement en mode écoute. Ok. Là. Ok. Et là. Ouais, ça, ça va. Les stabilités de l'arme, c'est important. C'est important les stabilités de l'arme. Hop là. Je suis en train de passer de papa mon séjour en Californie. Je t'ai déjà posé plusieurs questions sur le passé, mais pour ma question, tu me conseilles combien de jours à Los Angeles pour visiter les lieux les plus importants? À Los Angeles, je dirais 5 jours. 5 jours, je pense que tu peux faire déjà vraiment pas mal de choses. Le temps de faire, parce que même si Hollywood c'est surcoté, faut quand même y passer. Mais t'y restes une heure juste pour dire te balader sur le truc. Après t'en profites pour faire Sunset parce que c'est juste à côté. Après tu vas voir le sud de Los Angeles avec Santa Monica, Beverly Hills, ça tu peux faire en une journée. Venice Beach, Venice qui est incroyable. Venice Beach et les canaux de Venice, il faut les faire absolument. Qu'est-ce que tu peux faire après Putain, on a rien du tout, ça c'est la misère pour améliorer les armes. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah, il faut quand même essayer de une journée, à mon avis. Il faudrait qu'une journée tu loues une bagnole. Alors, louer une bagnole à LA, moi j'en avais eu, moi quand j'avais loué la Chevrolet Impala, je crois que j'avais fait, ça m'avait coûté 40 balles la journée, hein. C'est pas grand chose, mais ça permet de voir un petit peu tout ce qui est l'Observatoire Griffith parce que c'est très mal desservi par les transports. Et le parc Griffith c'est quand même à voir, et du coup t'en profites ce jour là pour faire un petit peu tout ce qui est excentré de Los Angeles, genre le parc que l'on a dans GTA V. J'ai le nom dans GTA V, j'ai plus le nom dans la vraie vie. Le downtown, Chinatown. Après il y a les studios Universal à faire. Si t'es fan de Disney, il y a Disneyland California à faire forcément. Mais bon, ça encore c'est à Anaheim, donc c'est en dehors de Los Angeles. Donc ça au pire tu peux le prévoir. Si tu fais un road trip, tu peux le prévoir la veille d'arriver à Los Angeles ou le lendemain quand tu pars de Los Angeles, faire une journée à Disney. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à voir à Los Angeles?
Faut regarder, y a pas mal de trucs hein. Echo Park, voilà. Echo Park, très bien, merci. Voilà, j'avais que le nom, c'est Mirror Park dans GTA V et c'est Echo Park. Jouer aux jeux vidéo, ça tue, voilà. Elle joue à la PS Vita. C'est pas en bruit, c'est clair. Et elle va mourir. Main en l'air. Doucement. Doucement. Tu la connais, Nora? Oui, je la connais. Où elle est? Elle est dans l'hôpital. Où ça, dans l'hôpital? Il vide les étages supérieurs. Elle doit être là-bas. Oh, mais elle est conne, elle aussi. Putain. Mais de rien, c'est normal. T'aurais pas dû. Ouais, là-bas, moi aussi, à chaque fois que j'y vais, à chaque fois je me loue une bagnole. Enfin, là, pour le tournage de Welcome to Los Santos, j'avais loué une Chevrolet Impala, vraiment juste une journée. Et après, bah, j'avais loué la Mustang, et à chaque fois je loue une Mustang. Comment ça t'as visité Echo Park et Welcome to Los Santos, tu l'as pas vu William? Je vous y emmène hein, à Echo Park. Pas un truc là? Ouais bof. Ouais bon, c'est pas la folie. Bon, là pour le coup c'était un peu la légitime défense. C'était elle ou la fille qui jouait hein. Elle a voulu faire la maline, bah voilà. Ouais ouais William, rattrape-toi. Tant mieux, j'ai ma meuf qui m'attend à la base avancée. Moi, il t'a encore mis. Faut que je monte à l'étage. Ouais, on forme une bonne équipe. Tu m'étonnes. C'est vraiment pas juste. Si tu veux un conseil, sors avec un soldat. Y a rien de mieux pour faciliter la vie. Ouais, je tâcherai de m'en souvenir. Putain, on dirait que Scar se rapproche. On a une embrouille. Ici, là. Quoi? Je crois que ça fait cette direction. Attends, il parle de moi là? Mais comment ils m'ont trouvé? On se déploie, il faut contrôler la cour. On a de la compagnie. Comment ils m'ont trouvé? Oh non, il y a des chiens. Oh non, il y a des chiens. Il y a un truc. On s'en charge. Allez. Le jeté de bouteille qui va me sauver, par contre, putain, il y a des chiens, j'avais pas vu. Là.
Allez, allez. Par contre, on n'a plus beaucoup de munitions. On n'a plus beaucoup de munitions là-dessus. Oh, charmant. Charmant. Tuer tout le monde, ça te fait prendre beaucoup de munitions en fait. Donc, faut arriver à les tuer. Mais là, j'ai eu de la chance quand même. Hein. Enfin, j'ai pas eu de chance au début parce que je sais pas comment ils m'ont repéré, sachant que. Personne m'a vu. Mais voilà. Attendez que je rattrape un petit peu ce que vous êtes en train de me dire. T'as pas une arme? Si. Bah la petite mitraillette que j'avais là, elle était armée de temps silencieux. C'est pour ça que je partirai en automne ou en hiver, c'est beaucoup moins cher hors saison et la chaleur c'est pas la même qu'en Normandie. Attention parce que l'hiver ici c'est l'hiver là-bas. Hein. Là ces derniers temps Los Angeles c'était pas la folie. Hein. C'était pas la folie. Le mieux pour partir, c'est vers mai-juin. Mai-juin, c'est bien. Après, je connais pas les tarifs. Hein. Mais je sais que mai-juin, c'est plutôt bien. Juillet-août, il fait très chaud. Très chaud. C'est vraiment pas agréable. Mai-juin, pour moi, c'est des bonnes périodes pour partir, à L.A. C'est dans le jeu ça? C'est toi non? Ah oui c'est vrai. Quand est-ce qu'Abby était ici? Je suis pas stupide. Tu vas nous dire où elle est partie. Quand Isaac nous posera des questions, je lui dirai ce qui s'est passé. Je commence à en avoir marre. Nora, je refuse de payer le prix fort à cause d'elle. Ah, je me saoulais plus du coup la musique. Et coucou Sovena. Voilà. Il y a des trucs intéressants là. Voilà. Là on est à 15, on est bien, 3. Ok, on est bien là. Là on est bien. Là on commence à être bien. Crie pas. Pose tout ça. Ah non, j'avais pas vu le message, Chauvena. Mais. Je me rattrape. Les droits d'auteur. Bah, c'est pas grave, au point où on en est. Hein. Tu me reconnais? Ouais. Tu me reconnais. Qu'est-ce que tu veux? Abby est venue ici. Où elle est maintenant? J'en sais rien. Si tu tires. Le bruit va rameuter tous nos soldats. Ouais, mais tu seras morte. Ton silencieux, Ellie, ton silencieux, bordel! Dis-moi où elle est, et peut-être que je te laisserai partir. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Vous auriez peut-être dû. Mais vous auriez jamais dû foutre les pieds à Jackson. Où est Abby? Tu les entends encore, ces cris? Je les entends toutes les nuits. Ouais. Ouais, ce fils de pute a eu ce qu'il méritait.
Espèce de sage. À l'aide! Une intruse! À l'aide, quelqu'un! Nora! Tu t'en sortiras pas comme ça! Respecter, merde! Jette tes armes par terre! Non, non, attends. Non, 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 non. Arrête! Attends! Ok! Jette ton arme! Écoute, t'es pas obligé de faire ça. Ferme ta gueule! Jette ton arme, main en l'air! Faut ta corps! T'as nulle part où aller! Non! Non! Attends! Peu importe, il faut qu'on la trouve. Attention! Ah, l'ambiance est quelque chose, hein. L'ambiance est quelque chose. Là, ce moment, je l'adore. La DA avec le rouge et tout, je trouve que c'est incroyable. La DA, elle est incroyable. Tu respires des spores.
C'était une luciole. Les lucioles n'existent plus maintenant. Oui, Abby, hein? Je vais mourir de toute façon, pourquoi je te le dirai? Parce que je peux t'achever. Ou te faire souffrir encore plus. Pense un peu à ce qu'il a fait. Combien de gens sont morts à cause de lui? Dernière chance. Je trahirai pas mon ami. C'est moi. Ellie. Tu vas bien? Putain. C'est ton sang, ça? Elle s'est planquée dans un aquarium. On va nettoyer tes plaies. La qualité d'écriture, l'acting, enfin c'est ma boule. Ça. Je l'ai fait parler. Hey. Ça va aller. Je veux pas te perdre. Ah, j'ai les frissons, bordel. Tant mieux. La saison 2, j'ai hâte et je... Parce que là, Bella Ramsey, va falloir sortir la masterclass. Hein. Parce que la Ellie de la saison 1 et de la saison 2, c'est deux personnes complètement différentes. Hein.
Bien sûr que c'est un nouveau Bella Ramsey. Vous avez laissé tout un tas de trucs. Bah c'est la magie du cinéma. Hein. Oh, allez. Du maquillage, etc. Et... il va y avoir quelque chose. Techniquement, Bella Ramsey est plus vieille que Ellie dans The Last of Us Partie 2. Hein. Bella Ramsey doit avoir quel âge? Elle doit avoir 22, 23, 24 ans, un truc comme ça. Et là, Ellie, elle a juste 18 ans. 18, 19 ans. Ça va être le maquillage, la coupe de cheveux, ça va être les vêtements. Bon après Bella Ramsey elle a vieilli de 1 an quoi. Ça va pas être le jour et la nuit non plus. Ça va surtout être au niveau du maquillage, de la coupe de cheveux, etc. Hein. Si on la trouvait, ou si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne. Allez! Complètement folle. Tu peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. T'aurais dû me prévenir. Au lieu de me laisser un mot à la con. Cette séquence aussi, elle est folle. Dis-moi. Ce qui s'est passé ici. Tu mens encore une fois. Je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson.
peu importe ce que c'est. Allez, dis la vérité. Joël. Encore les frissons. Hein. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Je vais rentrer. Mais tu m'oublies. J'ai beau l'avoir fait, il me met en PLS ce jour. Pourquoi elle est partie Tu connais The Last of Us 1, Moussouk? Faut me donner un peu plus de détails. Jessie. Elle est partie. Tu comprends pourquoi elle est partie à la fin là? Pourquoi elle repousse Joël? Ou pourquoi elle est partie à Seattle? Sans jouer, tu peux comprendre les émotions quand même. T'as pas besoin de jouer pour comprendre l'histoire. Ah mais t'as jamais joué au jeu. Ah non mais Moussouk, il faut que tu checkes. Sur Naughty Dog Mag, il y a le... Bah tu vas voir Boulouga. On va pas te spoil Boulouga. Mais, ah non mais Moussouk, si tu connais pas, tu dois absolument le faire en fait. Il y a le let's play entier du premier, je te conseille de regarder le premier. Et ensuite de faire le 2. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de streamers qui vous parlent de beaucoup de jeux et tout, mais The Last of Us, les amis, c'est voilà, je les ai fait 10 fois. Enfin, celui-là je crois que c'est la 7ème ou 8ème fois. Et devant une simple cinématique comme celle-ci, j'arrive à avoir des frissons, à être ému. Donc moi je vous conseille, sur Naughty Dog Mag, soit tu as juste le let's play mais pré-enregistré quand j'avais fait juste avant sa sortie. Donc là tu as 5 vidéos, ça s'enchaîne. Soit tu as l'intégralité du let's play de la partie 1 puis de la partie 2. Et je peux que vous conseiller en fait d'y aller parce que c'est... Tu comprendras tout. Jessie. Et en fait tu vas pas le regretter. C'est comme certains films que t'es obligé d'avoir vu parce que c'est des classiques, etc. The Last of Us t'es obligé de l'avoir vécu parce que c'est pareil, c'est un classique. Et en fait ce sera un gâchis si je t'expliquais comme ça en fait.
Faut vraiment Ils sont où tous les deux? Et après Boulouga, bah tu auras ta réponse, c'est-à-dire que s'ils en parlent pas, si on revoit rien, bah tu te diras que bah elle a pas eu le temps de lui pardonner. Et si tu vois un truc, bah là tu diras bon bah s'ils ont eu le temps, tu verras. Moi je dis rien, vous allez découvrir. Dina elle est en PLS. C'est pour ça, comme t'es sur Xbox, regarde les let's play qu'on a fait ensemble. Je peux t'envoyer la playlist si tu veux. Et comme ça, je laisse la cinématique, je t'envoie tout ça. Une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. On tape. On va chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant. Ouais. Ça va, il le vit bien pour un mec qui apprend qu'il va être papa. Alors, le résumé des histoires en une heure, je déconseille fortement. C'est la pire chose que tu peux faire. Parce qu'il y a plein de séquences de gameplay où justement il y a des dialogues comme ça, par exemple quand il dit en route, voilà. Et en fait tu vas louper ça et en une heure, sachant que... Non, fais pas ça du tout. Fais pas ça du tout. Surtout qu'il y a au moins 3-4 heures de cinématiques. Ça veut dire qu'il va même pas y avoir toutes les cinématiques. Ne fais surtout pas ça. Et je crois qu'il y a 5 heures de cinématique. Ne fais pas du tout ça. Si tu veux découvrir mon souk, la meilleure chose que je te conseille. Non, je t'envoie ça sur Naughty Dog Mag. Hop. T'as deux choix. Soit. Soit t'as la let's play. Hop là. Ah mais c'est la partie 2 ça. Merde, ce qui est con, c'est la partie 2. Je disais. Et voilà, c'est là. Hop. Donc soit t'as vraiment les let's play que j'ai fait à la sortie du jeu, donc t'as 5 vidéos.
T'as 5 vidéos, moi je parle pas ni rien, hop, je parle pas ni rien, je suis même pas la vidéo, t'as vraiment juste ça. Mais même 2 heures, t'imagines, il y a 5 heures cinématiques, il va... Soit... Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le DLC, je l'avais fait à part. Moi, je te conseille vraiment les let's play en fait, parce que même les let's play, du coup, ça veut dire que j'ai fait tout d'un coup. Hop. Let's play. Ah bah, c'est là. Hop. Tac. Tac. Donc, là, t'as que 5 vidéos. Hop. Et le DLC, il est là. Tu choisis ce que tu préfères. Mais je te conseille vraiment de faire ça pour découvrir. Mais surtout, pas de résumé ni rien. Pas de résumé ni rien. Même 2 heures. Il y a 5 heures de cinématique déjà. Donc, en vrai, tu fais un. Tu peux le checker. C'est... Enfin, tu passerais tellement à côté de plein de choses. Ce sera un gros gâchis. Ce sera un gros gâchis. Vraiment... Tiens, viens m'aider. Et voilà. Et en fait, l'intérêt de le faire, c'est okay. Pas pour avoir un résumé. C'est pour avoir l'émotion et l'immersion. Ok. J'ai compris pourquoi la WLF traque Joël. T'as compris, Bouluga? T'as compris quoi? Soit t'as les let's play en live. Qu'est-ce que t'as dit à Dina? Et donc du coup t'as 7 vidéos au lieu de 5. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... Non, c'est bon. T'as 7 vidéos au lieu de 5 et bah du coup tu auras mes commentaires en live, etc. Soit tu as les let's play. Nora a dit qu'Abby se cachait là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça? Ouais. Joël s'est brouillé avec des lucioles. D'anciennes lucioles maintenant. Ah ouais? À cause de quoi? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de la marchandise. Une bagarre a éclaté, il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. On l'a bientôt, bien sûr, allemand. Quelque chose pour toi? Non. Au fait, j'aimerais bien mettre une chose au clair. Quand on aura trouvé Tommy, tu seras d'accord pour rentrer? Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. Du coup, t'as compris quoi, Bouluga? Y'a rien là-dedans. J'en ai marre! Il dit qu'il se transforme en casseuse. Non pour la réforme des retraites! Oui pour les agriculteurs! Voilà. Pas des ressources là, oh! Donnez-moi des munitions! Ouais, non, ça j'ai déjà. Ah, mais je peux faire ça. On peut faire un cocktail. 34, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, bah oui! Oui, oui, oui! Tac. Tac.
Hop là. Ah, ça on aime bien. Voilà. Ça on dit oui. Ça on dit oui aussi. Je vois de la lumière par là. C'est coincé ? Ouais. Tu crois qu'ils vont foutre la merde à Jackson après ça ? Hein ? Comment ça ? Ah bah, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël ? Mais ici, c'est pas comme Jackson. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai. Ça fait combien de temps que Dina est malade à ce point ? Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de bois. Tu serais resté sur le cul. Ça m'étonne pas. Faut pas la chercher. Il y a de la ressource là. Là, il y a de la ressource. Là, là, il y a de la ressource. Uncharted 4 aujourd'hui, il est encore toujours aussi beau. Hein. C'est assez impressionnant. J'ai très hâte de le faire en stream, Uncharted 4. Alors, on peut pas... Là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, améliorer la capacité, mais on en a jamais... Rechargement, ouais, bof. Et là... Avec test de brandage, je sais pas trop. Ouais, on va améliorer la capacité, même si bon. Ah bah niveau, mais les graphismes, c'est rien, Moussouk. Je te dis, fais les let's play. Tu vas découvrir l'histoire, le scénario, la narration, le jeu d'acteur. Mais tu vas, enfin tu vas halluciner quoi. Tu vas halluciner vraiment. Salut Chris, je connais cette saga par cœur et déjà à l'époque j'ai connu le jour en 2013, à l'époque j'avais pris une claque rien que l'intro de Souvenirs de la Surface of the Earth, j'aime moins le traitement d'Eli et comment je finis. Je peux comprendre, mais en fait pour moi c'est du génie parce que je peux pas trop en parler parce que voilà, sur le chat il y en a qui l'ont pas vu, qui l'ont pas fait, etc. Mais pour moi c'est du génie tout ce qu'ils ont fait. Bien sûr, les jeux Rockstar Games, on a déjà fait GTA 4, épisode From Liberty City, Bully. On est en train de faire GTA 5, mais de toute façon, je l'ai dit, je vais faire tous les jeux Rockstar et tous les jeux Naughty Dog sur la chaîne, en live. Naughty Dog, on a déjà fait tous les Crash Bandicoot. Là, bah, on aura fait tous les, enfin, les deux The Last of Us. Et après, il y aura les Jack and Dexter à faire. Et l'Uncharted. Et Rockstar, on va tous les faire. Hein. Bah, The Last of Us Partie 2, j'étais très mitigé la première fois que je l'ai fait. Surtout que voilà, je l'avais fait pour le test, etc. Donc j'avais dû me dépêcher. Après, je savais que je devais faire les let's play et tout. Donc avant la sortie du jeu, j'avais déjà fini trois fois le jeu. Viens m'aider. Et au plus je le fais, au plus je le kiffe. Le seul défaut que je retrouve, c'est que je trouve qu'il y a trop de gunfight. Il y a trop le gunfight, on va dire, mais voilà. Par ici. Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit ? Pour le bébé. Écoute. Je suis sûre qu'elle t'en parlera quand... Qui t'a dit ça ? Le chef en personne. On s'assure que la voie est libre, on attend le reste et on lance la sauce. La dernière fois ? Ce sera pas comme la dernière fois. Tu parles comme... C'est pas comme si on avait le choix.
qui m'a vu. Ah, ils sont là-bas. Que dalle là. Ça venait de là-bas. Oh les bâtards. Rien à signaler par là. Ouais, je crois que c'est bon. Bon, c'était rien. Ouf. On m'a fait une feinte, elle.
Et salut Lives. Et voilà le travail. Hop là. C'est Wolf. Ils ont la gâchette facile. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. T'as jamais fait Red Dead Redemption 2, les Winch? Séraphine, un truc comme ça, Séraphite. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé? Non. T'as de la chance. Tu sais, en Red Dead Redemption 2, bien sûr qu'on le fera. Et après, on enchaînera sur le premier Red Dead. On fera d'abord Red Dead Redemption 2, et après, j'enchaînerai. Ah bah voilà. Mais pourquoi tu parles de pas spoiler alors? Par contre, le doublage est excellent. Adeline Chetai fait un super performance acting, c'est jamais fait en VO. La VO est très bonne, hein. Ashley Johnson et Troy Baker est très bon, mais c'est vrai que Adeline Chetai et Cyril Monge, ils sont sensationnels, on va pas se mentir. Oula. Red Dead, le seul défaut pour moi, si tu fais qu'on a réussi à y jouer, c'est le réalisme des dépeceurs. Ah oui, bah oui, pour lui. C'est vrai que pour le fait de dépecer les animaux, faut avoir les tripes attachées. Hein. Exactement, Adeline Chetai, c'est celle qui fait Princesse Zelda. Exactement. Ok, super, je suis allé ici pour ça. Oh non, mais la défaite, je suis vraiment venu ici pour rien du tout en fait. Oh la défaite! Merci pour les 100 bits, likes. Merci beaucoup. Avec ces affiches. Tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit? Un rassemblement de gens qui aimaient ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas nés à la bonne époque. Si, si, j'étais à 5, on va le continuer. Hein. J'étais à 5, on va le finir. Hein. T'inquiète pas, par contre j'ai pas aimé la série. Bah la série c'était une saison 1, c'était un pilote. C'est ce qu'on appelle un pilote. Ils ont à mon avis voulu rendre ça un peu plus grand public pour ne pas brusquer directement ceux qui n'ont jamais Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Elle t'a dit si elle comptait le garder? Non. Non mais là c'est pareil, y'a rien. L'histoire de la... Bah l'histoire de la série c'est la même. Là pour le coup l'histoire de la série c'est exactement la même hein. Ok, donc... Voilà, en fait, c'est ça qui est cool avec la série. C'est que ça a permis de montrer le média
à d'autres personnes que des joueurs. Et forcément, pour faire cela, il faut que tu t'adaptes. Tu peux pas proposer The Last of Us en jeu, en série. Parce que les séquences de gameplay, va falloir les retirer. Parce que... Donc, voilà. Et sur ça, je trouve qu'ils l'ont parfaitement réussi. 56 ans, c'est pareil. Il est juste à côté, c'est pareil, ce n'est pas une gameuse. J'espère que Tommy a les mêmes. Et donc du coup, forcément qu'il faut que tu l'adaptes. Et forcément que pour l'adapter, c'est pas super simple. Et qu'il y a des compromis, des choix à faire. D'où le pilote. Va falloir y aller à la nage. D'où le pilote. Et forcément qu'ils pouvaient pas le rendre aussi angoissant et aussi violent que le jeu. Sinon, dès le premier épisode, tu perds plein de d'auditeurs en fait. Mais je pense que maintenant qu'ils ont accroché les gens avec la saison 1 et que les gens ont envie de savoir ce qui va se passer dans la saison 2, bon. La saison 2, je pense qu'elle va monter d'un cran. Clairement. J'essaie de voir ça. Qu'est-ce qu'il est con ? J'entends plus rien. C'était le dernier ? Ouais. Bah, tu refais pas ça, Jesse, hein. J'ai l'impression. Allez, faites péter les ressources là. Faites péter les ressources. J'ai rien oublié là. Coup dur pour sauver Ina. C'est que la série complète des infos du jeu. Oh, mais c'est totalement ça. Moi, l'épisode de Bill, mais il est incroyable. C'est un de mes préférés. Parce que du coup, moi, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le début en fait. Si vous avez fait The Last of Us en jeu, c'est très bien, mais il faut faire la série. Et si vous avez fait la série, c'est très bien, mais il faut faire le jeu. Moi, c'est ce que j'arrête pas de dire. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc là. Je parle, mais je crois que j'ai oublié des ressources. Il y en a d'autres. Ok, cette fois c'est fini. On dirait que c'est une impasse. Ouais, je crois que t'as raison. Non, on est à fond. Toujours la peur d'avoir oublié un truc et de te dire que les ressources sont tellement limitées qu'il faut absolument pas oublier quoi que ce soit. Allez, Jackson. Je déteste ces putains d'enfoirés.
Ouais, m'en parle pas. Même dans The Last of Us, on fait des références à Jackson Maisel. Je te suis. Ça, c'est angoissant. Plonger et aller à un endroit et tu sais pas derrière si tu vas pouvoir ressortir. Ça, je crois que ça me ferait super flipper, je pourrais pas. D'ailleurs, Jesse n'est pas ressorti. Ah, ça y est. Bon, bah, Jesse is dead. Oh non, putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur, je crois que je m'étais loupé. Y'a pas une petite ressource là encore? Attendez. Oh là, vous avez parlé là. Effectivement que ça développe. Pas fan des acteurs, pourtant j'avais aimé Bella Ramsey dans Game of Thrones, mais dans The Last of Us, j'ai pas accroché du tout. Perso, Pedro Pascal était bon. Le problème, c'est qu'il est trop connu, on le voit partout. Pas d'accord non plus. Bella Ramsey, son rôle d'Ellie, elle le joue à la perfection. On reconnaît vraiment Ellie, quoi. Et ça, c'est pas si simple que ça, hein. Le scénario de cet épisode revient sur la saison 2 d'ailleurs, même la naissance du Cordyceps c'était tout con, mais oui, ouais, la naissance du Cordyceps qu'on savait pas. Franchement, on verra bien la saison 2, on verra bien la saison 2. Breaking news. Dead 2 confirmé comme canon dans l'univers de Last of Us. Pour toi c'était moyen, pour moi la saison 2 était excellente. Ouais, pour moi elle était excellente, hein. Franchement, moi je trouve qu'elle est excellente. Je suis pas d'accord Chris, j'ai pas du tout aimé la série à cause du jeu. J'ai eu le sentiment de tout savoir à la limite après l'épisode, ça reste... Bah ça forcément, mais dans ce cas-là, les Mi-Winch, fallait pas regarder. Ça après, c'est pas la faute des... Enfin... On va voir. C'est quoi cet argument? Forcément, ils adaptent le premier jeu. Forcément que t'allais tout savoir avant même. C'est logique. Dans ce cas-là, si t'aimes pas ça, fallait pas regarder. C'est même le but de la série. Donc en fait, faut juger la série sur sa façon à bien l'adapter. En fait, je pensais que tu trouverais l'idée stupide. J'aimais beaucoup Joël. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Je serais venu. C'est un bon Jesse. En fait, justement, Joël, le fait que aussi, tu sais. Que tu l'aimes pas, ça montre que c'est une bonne série parce que... Je pensais que j'avais un faible pour toi. Ah bon? Ben, t'es plutôt pas mal comme mec, mais t'es pas vraiment mon genre. Quoi, t'aimes pas les Asiates? Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Et le truc qui est formidable, c'est ça, c'est qu'en fait ça date de la saison 1, mais tout en donnant des petits détails, comme l'épisode de Bill, comme la naissance du Cordyceps, tout en donnant des petits détails qu'on n'a pas dans les jeux. D'où le fait que c'est parfait si t'as joué mais qu'il faut aller à la série. Et si t'as la série, c'est parfait, mais faut jouer parce que il y a quand même plus de détails dans le jeu, plus d'émotions, plus de tout ça en fait. Donc bah oui, l'épisode 3 voilà, mais après du coup c'est dans son ensemble. Mais dans ce cas-là, ça a été annoncé dès le début qu'ils allaient adapter. Du coup moi j'ai adoré. J'ai adoré, ça a permis que la série s'ouvre à plein de gens qui n'avaient jamais fait le jeu, et ça c'est très important. De montrer ça au rayon enfant. Ils avaient pas le même problème de champignons à l'époque. Ah. Ouais, c'est vrai.
T'avais un livre préféré quand t'étais petit? Ouais. La guerre fantôme. C'est l'histoire de soldats de l'espace qui se battent contre... Des fantômes? Des fantômes extraterrestres. Ouais. Ça, ça m'étonne pas de toi. Ok. Et toi, alors, hein? Bah... Ma mère avait qu'un seul livre pour enfants. L'enfant Racine. C'est un garçon qui se transforme en forêt pour sauver son village. D'accord. Pour éviter que je m'en lasse, ma mère changeait la fin à chaque fois. Une fois, le garçon décidait de laisser mourir tout le village. J'en ai fait des cauchemars. L'angoisse. Un petit peu sadique, la mère. De faire ça. Ouais, elle est super, ma mère. Par contre, elle va péter un plomb en apprenant pour le bébé. Ouais, je vais bien te croire. J'avais jamais eu ces dialogues alternatifs avec Jesse. Je devais aller trop vite et je suis jamais allé jusqu'à qu'il parle de sa mère. Du coup, je savais pas qu'elle était encore en vie. Et je savais pas qu'il allait se faire déchirer pour le bébé. Bon, là on a tout fait. Est-ce que là je peux y aller? Non, ça c'est après, on va redescendre par là-bas. Ok. Par rapport au jeu, oui, c'est moyen de mal retranscrit par rapport... Ah non, c'est pas mal retranscrit, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Forcément, quand une série de 9 heures... Viens, on retourne dans la rue. En une série de 9 heures, tu ne peux... C'est très difficile de l'adapter d'un jeu qui fait 16, 17, 18 heures. Rendez-vous compte. Et du coup, c'est pour ça que c'est très bien adapté, en fait. Forcément que c'est pas comme le jeu, etc. Mais c'est aussi... C'était le but de la série, c'était annoncé dès le début d'adapter la série, mais de laisser quelques libertés pour proposer des passages inédits et adapter certains passages pour que ce soit mieux adapté à un format série et non un format jeu, en fait. Je me demande comment ça a commencé. Alors, je suis en train de regarder si j'ai vraiment rien oublié. Mais après, voilà, on peut pas dire que c'est mal adapté. Que toi, tu n'es pas apprécié, d'accord, mais on peut pas dire que c'est mal adapté, pardon. Ça, sur ça, au contraire. Et comme le dit Alex Kawai, je suis d'accord, je pense que c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo à ce jour. C'est très compliqué d'adapter un jeu vidéo. Vraiment. La série, c'est le jeu adapté avec des scènes inédites et des infos en plus, une adaptation avec des cadeaux, quoi. Oui, et certains passages qui sont modifiés. Par exemple, moi, j'ai pas aimé l'épisode 4 de la série. L'épisode 4, quand ils arrivent à Pittsburgh, etc., l'attaque du van, la première fois que Ellie tue quelqu'un, ça, pour moi, c'est raté. Ça, c'est raté. Vraiment, ça, c'est un des... C'est pour moi le seul passage de la série qui est raté. Après, forcément, je suis un petit peu déçu parce que c'est moins violent, il y a moins d'infectés. Mais voilà. Ah non, malheureusement, maintenant je crois que sur... elle est toujours sur Amazon Prime, mais c'est payant. Malheureusement. Sinon, faut l'acheter en Blu-ray. Enfin, Blu-ray ou DVD, format que vous souhaitez. Hop là. Je viens de voir l'heure, je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que j'ai envie d'être sadique. J'ai envie de vous laisser sur un bon climax. Cette tempête, ça doit pas être facile de naviguer par ce temps. T'inquiète, il y en aura assez pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est?
trouvé quelque chose? Je me fais défoncer. Gavin, enfin! C'est bon! Putain, il y a encore un chien, sa mère. Déploiement. Vous les voyez? Putain! Vous les voyez? Je vois rien du tout. Ah merde, ils sont plusieurs. En face, il y a un bâtiment accessible en face ou pas, je m'en rappelle plus. Ouais. Ouais, ce soir je suis en forme ce soir. On n'est pas mort une seule fois. C'était le dernier. Ouais. Finalement, Jackson, c'est pas si mal que ça. Faut que je me concentre, c'est parce clair. Que comme je suis en stream, que je suis moins concentré et que du coup je meurs plus souvent, etc. Il y a des gens qui pensent que c'est pas moi qui avait fait le let's play de The Last of Us en 2020 avant sa sortie. Donc là, je me suis dit bon allez, ce soir je me concentre pour sortir la masterclass parce que. Pour prouver que c'est moi et que je peux ne pas mourir. Pas de ressources là ? On va aller voir là-haut. Ah,
Ah. Munitions de carabine qui font plaisir. Oh là, il va y avoir de la ressource. Oh là, il va y avoir de la ressource. Ah, mais c'est qu'on commence à être trop plein en fait. Il y a de la ressource, mais je suis full partout en fait. Même les munitions, ça commence à être full. Ok, let's go. Uncharted, apprécié l'adaptation de Nathan Jeune. Bah alors après, Uncharted, c'est différent. Uncharted, je vous encourage encore une fois à aller voir le documentaire qu'on a fait sur Naughty Dog Mag pour vous expliquer. Uncharted, enfin le jeu, je sais même pas comment le film a pu voir le jour en fait. Et merci Temar Yacine pour le follow. Hey Spit, comment ça va? Bah techniquement le jeu est sorti pendant le confinement hein. Enfin à la fin du premier confinement hein. Donc et d'ailleurs ils vont en parler dans le making of. Je vous rappelle le making of il sort vendredi hein. Il sort vendredi hein. Très hâte de voir ça. Mais oui techniquement Juste regarder un petit peu où on en est. Qu'est-ce que je peux confectionner on peut confectionner ça et comme ça, ça nous permettra de... Ah, on est quasiment full partout, hein. Ça c'est bien ça. Est-ce que je fais quoi là on va continuer ça. Hein. Le mode écoute, ça c'est quoi? Respiration. Ah ça c'est bien ça. Ah oui, ça je veux le débloquer ça. Ça je veux le débloquer. Bloquer la respiration, ça va être bien ça. Hop. On a tout construit comme ça on va pouvoir un petit peu ramasser d'autres ressources quand on en croise. J'aime pas trop laisser des trucs derrière moi. Donc là à mon avis va rien avoir. Oui voilà, tu vois ça c'est pas une bonne... Enfin Uncharted c'est... Je dis pas que c'est une mauvaise adaptation mais il y a largement de faire mieux. C'est-à-dire que c'est sympa, il y a 2-3 passages sympas, il y a un caméo sympa. Voilà c'est un... C'est un film d'action d'aventure où c'est édulcoré Uncharted mais il y a largement de faire... moyen de faire mieux et je pense qu'ils vont faire beaucoup mieux avec The Last of Us, avec Uncharted 2. Je pense. Est-ce qu'on a tout fait là en bas? Oui, je suis monté là-haut, ok. Et je pense qu'ils vont faire beaucoup mieux avec Uncharted 2. Après, moi je trouve pas qu'Uncharted il est mauvais. Je pense que si vous me suivez sur Naughty Dog Mag, vous le saviez à quel point j'ai dézingué le jeu. Pendant la période de com, quand ils annonçaient les acteurs, quand ils annonçaient tout ça, enfin, j'étais vraiment pas emballé. Donc je suis vraiment allé en mode, je m'attends à rien. Je suis allé en mode, ça va être nul. Et finalement, bah j'ai été agréablement surpris. Attends, on est déjà venu par là. Bah oui mais c'est d'où je viens là? Oh je suis perdu là.
C'est sûr qu'Abby a choisi l'aquarium et c'est chiant d'y accéder. Peut-être. On va prendre cette route. Mais putain, ça fait... Sinon, il y a ça. Ouais. Ça, c'est mieux. Bien. Voilà. À bientôt, William. Merci à toi d'être venu. On va essayer par là. Alors c'est quoi le plan? En vue de ces types, on leur fauche leur bateau? On prend le bateau, ça c'est sûr. Le reste, ça dépendra de ce qu'ils font. J'espère qu'ils sont pas nombreux. Fait chier, j'aurais voulu construire un silencieux maintenant. J'aurais voulu construire un silencieux maintenant. Parce qu'il me reste qu'une seule balle. Ah, il y a un coffre là-bas. Comment on fait pour aller au coffre ? Ah non, c'est pas un coffre, c'est un pot de fleurs. Ok, super la vision, la vue, ça va bien. Boomer. Et coucou, Quel bordel. Red mec. Je le crois pas. On prend ça. On prend. Mais il est passé par où lui? T'es passé partout, par où mon ref? Ah oui d'accord. Ok. Oui bon c'était pas bad non plus. Ah, je suis concentré parce que je pense qu'il doit rester une demi-heure avant la fin de du jour 3 et j'aimerais finir le jour 3. Comme ça on s'arrête pas en plein milieu. Mais t'as jamais fait The Last of Us 1 non plus Spitz? Non mais pareil comme Moussouk. Comme pour Moussouk, faut que tu fasses d'abord le 1. Là vous allez vous gâcher l'expérience les gars, mais quand je vous dis que vous vous gâchez l'expérience, c'est que vraiment je mâche pas mes mots hein. C'est à dire que vous vous rendez pas compte hein. Mais sur Naughty Dog Mag y'a tout. Y'a tout Spit. Sur Naughty Dog Mag soit t'as le let's play sans ma gueule, sans ma voix, juste le jeu. T'as 5 vidéos. Soit t'as la rediffusion des let's play que j'ai fait l'année dernière. Et tu as 7 vidéos. Et tu as tout. Les ordres sont clairs. Ils sont bien assez nombreux pour se débarrasser. Bah tu pars, tu fais ce que tu veux, mais moi je te conseille quand même de regarder d'abord le premier. Parce que sinon vraiment tu... C'est vraiment The Last of Us, c'est une expérience. C'est même pas un jeu, c'est une expérience. Et pour ressentir l'émotion, la tension... Vraiment
comme tu veux, moi je te force pas Spitz, mais c'est juste pour ton bien, parce que vraiment tu passes à côté de quelque chose. Et va sur Naughty Dog Mag, tu auras tout. Tu vas dans les playlists, t'as juste soit le walkthrough en 5 vidéos, soit t'as le let's play, le replay des let's play. Non, on prend le bateau. Tu les as entendus, ils parlaient de Tommy. On n'en sait rien. Qui ça peut être d'autre? Même si c'était lui, on pourra jamais. Oui, on te vire pas, hein, on te vire pas, c'est juste pour ton bien. Alors on a qu'à suivre. Il sait se débrouiller tout seul. J'y crois pas. La meilleure façon d'aider Tommy, c'est de trouver Abby. Mais en tout cas, je te vire pas, Spitz, hein. C'est ce que je veux te dire. Je te vire pas. Non, 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 pas du tout, au contraire en fait. Hein. Après, si t'as envie de rester, tu restes. Hein. N'importe quoi. Jamais, jamais. Au contraire, Spitz, c'est pour ton bien. Mais super. Mais c'est quel niveau de malchance ça quand même? Oh non. Vous entendez? C'est peut-être elle. Je vais voir ce qu'il y a. Ouais, j'étais à RP demain. Mais strictement impossible qu'elle me... Oh l'angoisse. Oh l'angoisse, là ça m'angoisse. Non, 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 il y avait un truc juste là. Il y avait un truc juste là. Elle était... T'as, tu pouvais pas respirer une demi seconde de plus. Ah mais tu as le droit de ne pas aimer le RP hein. C'est ce que j'ai dit en début de live, c'est pour ça que je vais essayer de ne pas en faire tout le temps. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le RP. Salope.
Je vois rien, il est où? Non mais c'est une blague. Je voyais que dalle. Bonne soirée Spitz, à très bientôt. Où elle est passée? On fouille le centre commercial. Trouvez-la, vite! Du coup, je vais peut-être repartir là-bas parce que là-bas il y avait des munitions. Voilà. Bon allez, pour le cadeau. Hop. Voilà. J'aimerais bien prendre l'arc pour être discret, mais... Oula. Mais je suis super mauvais à l'arc. Du coup, putain, mais c'est une blague. C'est Ashley. Elle l'a eu. Débusquez là. T'as mes manœuvres bien là, tu vois pas. Oh là là, bâtard! Oh non! Oh non, j'avais plus de... On va s'éclater! J'ai plus de briques! Je suis en train de... Je suis en train d'épuiser toutes mes munitions. Ce bateau de merde.
Ouais, forcément, faut qu'il soit derrière, putain. Qui me voit là? Oh non! Ici, là! Elle prend le bateau! Putain! Oui. Allez! Mais. Il avance pas! Toi, c'est là! D'accord! Mais c'est quoi ce bug? Ok, super. Ça va. Il y a personne derrière. On a la grande roue. Ouais, va falloir trouver des munitions. Va falloir trouver des munitions parce que... Enfin, qu'une seule balle. L'angoisse. L'angoisse. Soixante-dix, douze, soixante-quatre.
Allez, on s'en bat les couilles du marteau. Alors, on l'a dit 70. 12. Et 64. Oh, 64 piles, incroyable. Ah, là, ça fait plaisir. Ok. Ça on prend aussi. Là on va, ça on va créer un silencieux. Là, là. 43, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça. C'est utile. Là. D'accord. Voilà. Aïe. Je crois que j'ai voulu tourner pour voir si j'oubliais pas des trucs ou quoi que ce soit. Je crois que je me suis perdu. Ah non, voilà, c'est par là. Et coucou maestro. Bon ouais, je suis en rond là. En fait, j'ai voulu vraiment passer dans tous les bâtiments. Et je crois que je me suis perdu.
Attends, je viens de là. Hein. Ah voilà, je savais qu'il y avait des endroits où on pouvait s'arrêter. Ah, je savais qu'il y avait des endroits où on pouvait s'arrêter. Un colosse, super. Voilà. Et bienvenue sur la chaîne, hein, du coup. Ah, voilà. Et merci pour le follow. Hop là. Bon du coup, je viens d'ici, je suis passé par là. Ah voilà, c'est là. Nickel, c'est bon, c'est bon. J'ai retrouvé le chemin. Démerdez-vous, moi je passe, vous me faites chier. Eh ben, un grand merci à toi, Maestro, ça fait super plaisir. La chaîne Twitch, ça va faire un an. Ça a fait un an. En fait, je l'ai créé en décembre 2022 pour le Téléthon Gaming. Ça a été mon premier live. Et je l'ai officiellement lancé. Je l'ai officiellement lancé en janvier 2023 après New York. Donc ça fait un an, hein, tout juste un an qu'on a lancé la chaîne. La rediff du premier The Last of Us ou du premier Let's Play? Tout est dispo, hein. Du premier là, bien sûr, c'était sur GTA 4. Donc tu vas sur Rockstar Mag, tu auras les Let's Play GTA 4. Ou le plus simple, tu vas sur chrisclippel.fr et tu vas dans l'onglet Twitch. Et en fait, tu vas avoir tous les Let's Play par ordre de jeu que j'ai fait sur la chaîne. Donc le tout premier, c'est GTA 4. Tu cliques sur GTA 4 et tu auras le tout premier Let's Play de la chaîne. Oui, on va faire une... Dès qu'on aura fini les let's play, on fera sans doute ensemble les Lost Level, même s'ils sont déjà dispo sur la chaîne. Et on fera... et on fera, comment ça s'appelle, une séance de No Return. Alors on va attendre les dégâts. Je préfère, je préfère faire les dégâts. Et ça, c'est dans The Last of Us Partie 1. C'est la bande d'arcade avec laquelle elle joue avec, avec Riley. Putain de merde.
Et merde. Putain de colonne! Je me demandais si je retrouverais ces cons à Seattle! Ben voilà. Bon. Retour à cette putain de grande roue. Easy. Et on n'aura pas gaspillé une seule munition, c'est pas beau ça? Récupérer un peu des munitions, ça doit entraîner là sur les bords d'arcade. Petit fusil à pompe. De trucs qui traînent là. On est plein. On est remonté par là, on n'a pas fait là. Trop bien cette salle d'arcade. Là c'était les PC, là c'était sans doute les consoles. Trop cool. Du coup, le colosse, ça devait être un gros geek. C'est un geek qu'on a dû tuer. Jules! Bah, c'était Jules. Jules qui est mort. Oui, c'est prévu pour le Twitch show. Je sais pas encore avec qui. Enfin. Mais c'est prévu, ouais. Les Twitch show et les burger quiz, c'est prévu. Ok. Et let's go! Je suis presque.
Elle est confiante quand même, hein. Avec sa petite barque là. Elle est vraiment très confiante, hein. Moi je serais pas serein. Je serais vraiment pas serein. Ben voilà. Et ben voilà. L'angoisse la plus totale. Arriver sur la plage là avec l'éclair au fond et tout, c'est incroyable. La mise en scène et tout. Du petit lait. Je suis sur WordPress, pourquoi? Un CMS WordPress. T'es prêt, Boulouga? Ah putain, et c'est bientôt la fin. De toute façon là, on finit cette journée, on est bientôt à la fin et après sera la fin du stream. Concentre-toi, concentre-toi. Elle y reste 10 minutes à tout péter. Allez, c'est vrai, Reda il découvre aussi Reda. Mais c'est vraiment pour améliorer les armes, c'est la misère. Où est-ce que tu te caches, bordel? Merde. Ah.
les barres. Personne ne revient de cette île. Combien de fois Abby a risqué sa vie pour toi? Elle a fait son choix. Moi, j'irai pas la chercher. Alors rentre! Va-t'en! Va chier, Owen. Mains en l'air! Où est Abby? C'était toi, la fille à Jackson. Dites-moi où elle est. Tu promets de nous épargner? Si tu lui dis, elle va nous descendre. J'ai aucune raison de vous tuer, c'est elle que je veux. C'est des conneries. Toi. Approche. Amène-toi, putain! Montre-moi où elle est sur la carte. Ensuite à toi. T'as intérêt à ce que ça colle. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Elle est sûrement déjà morte. Ça vaut pas le coup. Stop! On peut parler. Recule, connard! Montre-moi où elle est. Mange-toi, putain! Owen! Dis-moi où est Abby. Elle est... Où elle est, putain? Avec la musique. Tout va bien. Bah, tu peux pas être team Abby sur ça parce que elle savait pas. Elle savait pas. Après, encore une fois, comme je vous dis, n'en parlez pas trop, on verra à la fin du jeu. S'il y en a dans le chat qui ne connaissent pas et tout, donc...
Ah, Boulouga, t'es encore là? C'est vrai que tuer une femme enceinte, c'est... Mais elle pouvait pas savoir. Elle pouvait pas savoir, malheureusement. En fait, tu verras, il y a débat. Boulouga, on en discutera à la fin du jeu, mais il y a débat parce qu'ils disent que Abby, finalement, elle a tué uniquement Joël, là où Ellie a tué tout le monde. Mais on en discutera après, il y a débat. Il y a de la neige partout. Non, d'ici à ce qu'on arrive, tout aura fondu. Où est-ce que tu vas? J'avais besoin d'air. Qu'est-ce que vous faites debout? Insomnie. Viens jeter un coup d'œil. L'idée, c'est de rentrer en passant par Ellensburg. Si on atteint Fall City demain, on avance bien. Méritait ce qui leur est arrivé. Mais elle est encore en vie. Ouais. Tu peux l'accepter? Ouais, faut bien. Et merci Mohamed pour le follow. Bienvenue à toi. Je me serais bien passé de traverser l'Idaho encore une fois. Ce qui devrait te préoccuper, c'est la réaction de Maria quand elle te verra rentrer. On a connu pire. Mais au cas où, je suis passé par un quartier chic quand j'étais en ville. Et j'ai aperçu un collier. Il est bien brillant, je crois que c'est de l'or. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je te dis que c'est de l'or. Vas-y, fais voir. Je sais reconnaître de l'or, hein. Si c'est bien de l'or, on peut faire cadeau commun. Débrouillez-vous tout seul pour l'amadouer. Ça va, toi? Ouais. Ellie. Ça va. Merci de pas m'avoir laissé tomber. J'abandonne jamais mes amis. C'est un bon Jesse. Toujours le même refrain. D'accord, alors disons... que mes amis savent pas se démerder. C'est mieux ça. Merde! Lève-toi! Les mains en l'air ou je bute l'autre! Fais pas ça, Ellie! Fous le camp! Lève-toi, j'ai dit! N'écoute pas, je te dis! Toi, tu la fermes! D'accord. Arrête! Stop! Jette ton arme! Jette ton arme! Merde! Je sais pourquoi t'as tué Joël. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargnés. Et voilà le résultat. Et c'est sur cela que le troisième jour à Seattle s'achève et qu'on va arrêter. qu'on va arrêter tout simplement le live et on continuera donc mercredi soir pour Boulouga, pour Maxime,
pour Reda qui n'ont pas vu, désolé, il va falloir attendre d'ici mercredi. Voilà. Mais non, je voulais pas te le dire, mais je me suis dit, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Donc, non, GTA c'est demain. GTA c'est demain. Mercredi, c'est The Last of Us en début de soirée, le State of Play en fin de soirée. Jeudi, c'est The Last of Us. Et vendredi, on revient sur GTA. Tu suis pas, Reda, hein. Tu suis pas. Faut aller sur... sur Twitter, sur Instagram ou sur mon... sur mon site, il y a le planning. L'arrêt du live est tellement violent. Ah, c'est... Voilà. C'est... Toi non plus, petit Baracus, tu l'as pas fait ? Tu découvres toi aussi ? Putain, mais en fait, vous êtes nombreux à découvrir. Hein. Ton chat... Ah oui, c'est vrai que le chat, il marche pas. Pourquoi il marche pas, le chat ? What the fuck ? Ah ouais, il marche pas. Bah, je sais pas pourquoi. Vous êtes censurés, les gars. Incroyable, vous êtes censurés. Pourquoi qu'il marche pas ? Hop, le 520-685. Et est-ce que là ça va mieux ? Toujours pas. Ok, bah ça va être un bug de Twitch, je pense. Ouais, bah je sais pas pourquoi votre... Ok, je sais pas. Ouais, même le chat est choqué. Même le chat est en mode, en fait, vous pouvez plus, en fait. J'ai fait le 1 plusieurs fois. D'accord, donc tu découvres, incroyable. Eh bah écoutez, vous allez avoir hâte de mercredi, du coup. Vous allez avoir hâte de mercredi pour savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, est-ce que Abby va tuer Ellie ? Est-ce que Ellie va dire un truc à Abby qui font que elle va pas le tuer ? Est-ce que voilà, vous allez découvrir ça mercredi. Va falloir être patient, les amis, pour tout simplement. Voir ce qui va se passer. Elle a tué Jessie, j'espère qu'elle souffre. J'en ai cher pour tout oublier. Moi aussi, hein. Franchement. Et Moussouk, entre temps, tu vas me regarder The Last of Us partie 1. Parce que là, du coup, t'as kiffé. Mais je te le dis honnêtement. Si tu avais fait le 1 d'abord. Mais. Voilà, vraiment, c'est... Je dis pas ça pour vous emmerder ni rien, mais il faut. Sur cela, les amis, on va se laisser et on va aller directement raid l'ami Nanix. Nanix sur qui j'avais fait, une émission, etc. Donc, oh non, je crois qu'il s'est déco. Putain, je pense jamais à raid. Là, j'ai vu le message... c'est Bouga, je crois. Je vais pour raid, il se déco. Attends. Ah non, Nanix, il est en live, pourquoi on peut pas le... Ah, attendez. Ah, mais je crois savoir. En fait, il est en live ou il est pas en live ? Eh oui, mais j'oublie à chaque fois de raid. Et pourtant, c'est trop cool de raid les gens. Vous, ça vous fait découvrir des nouvelles chaînes. Nous, ça apporte de la force. Hop. Est-ce que... Il y a Twitch qui bug beaucoup, je trouve, en ce moment. Ça y est, ça va partir. Ça va partir, les amis. Donc du coup, on se donne rendez-vous demain à 20h pour GTA RP. Et là, maintenant, tout simplement, on se laisse et on va porter de la force à Nanix. Et on se donne rendez-vous demain 20h. Sur cela, les amis,
on va faire du bordel chez Nanix et à demain.